Ici, c'est un podcast qui parle de tricot, parfois un petit peu de couture si je fais de la couture, mais c'est surtout le tricot qui occupe mes mains. Je m'appelle Elodie, je vis pas très loin de Genève, au pied du Jura. Voilà, je tricote depuis très longtemps, j'ai appris avec mes grands-mères et je viens ici pour vous parler de mes projets. Terminé, en cours, à venir, mes envies, etc. Donc, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux sous le nom donc Elodie.tête-en-l'air. Ça a un petit peu changé depuis la dernière fois, mais pour vous qui êtes sur le podcast sur les aiguilles de tête en l'air, ce sera plus logique. Je vous mettrai ici voilà, tout ce que je dis, les patrons, les laines, soit je le mets ici en bas, si je ne me loupe pas sur le montage, ou soit je mets en barre de description. Donc vous appuyez sur plus si vous êtes sur un ordi ou un iPad, et vous appuyez sur la petite flèche, enfin le petit triangle inversé si vous êtes sur un téléphone, c'est comme ça? Bon bref, peu importe. En tout cas, fouillez dans la description, vous trouvez les liens. En général, je mets les liens vers ma page Ravelry, ma page projet Ravelry, ce qui vous permet d'avoir les coloris EXA, les... comment ça s'appelle ? Quantité de laine que j'ai utilisée et le lien vers le patron, parce que normalement, je tiens mon Ravelry à jour. Voilà. Sur Ravelry, justement, vous me retrouvez sous le pseudo Tête en l'air. Donc ça n'a jamais changé. Et on est parti pour une petite heure à papoter tricot ensemble. Merci beaucoup à tous ceux qui regardent, qui mettent des j'aime et qui laissent des commentaires. J'essaye de répondre à tout le monde. Donc si vous avez posé une question... Alors ça, c'est le chat qui va faire la bébête. Allez, descends de là. Hop, voilà. Si vous avez posé une question que je n'y ai pas répondu, c'est que j'ai juste loupé, donc vous me remettez un petit mot, mais normalement sur YouTube, j'arrive à regarder les commentaires auxquels je n'ai pas répondu. Donc normalement, tout est répondu. Voilà, et puis merci aux personnes qui ont participé donc, à ma cagnotte Ko-fi. Comme je le disais, la cagnotte Ko-fi va me permettre de soutenir des entreprises qui œuvrent dans la réinstallation de la filière laine en France. Donc là, ce mois-ci, je crois que j'ai eu 4 Ko-fi, je crois. Donc je pense que je vais attendre le mois prochain parce que j'aimerais en fait soutenir une entreprise en particulier en lui achetant un livre de teinture que j'aimerais vous faire gagner. Voilà. Donc à suivre au prochain épisode. J'ai pris mes petites notes, j'ai arrêté la cafetière, donc vous n'entendrez pas la cafetière s'arrêter. Et je vais essayer de gérer mon petit tigre qui est en train de se demander ce que je fais dans son fauteuil en fait. Voilà, donc je porte quelque chose que j'ai cousu moi-même. Donc c'est un t-shirt plantain qui est mon patron préféré. De t-shirt, et c'est donc Direndo, et c'est un patron qui est gratuit. Et le jersey, on l'a offert. Voilà, bah c'est là que ça va bloquer. En fait, c'est du tissu marinière, du jersey marinière. Si vous êtes bretonne, vous connaissez très bien, je pense, mais le nom ne me revient pas. Ils vendent, en fait, on me l'a offert, donc c'est Estelle qui me l'a offert. Ils ont une boutique d'usine, je crois, où ils vendent du tissu au mètre. Mais le nom ne me revient pas. Donc, si ça me revient d'ici le montage, je vous le note dans la description. Et sinon, si vous êtes connaisseuse ou bretonne ou les deux, vous me le mettez dans les commentaires pour aider
pour aider les personnes qui ne peuvent pas compter sur moi pour me rappeler de ce nom. Donc voilà, j'avais un tout petit coupon, c'est pour ça que ça, j'ai fait des manches courtes, mais alors en fait c'est parfait comme, t-shirt avec un tissu marinière. J'adore en fait le plantain, pour moi c'est la plus belle encolure de t-shirt qui existe, il est facile à faire. Moi je crois que je coupe la taille 38, voilà. Et dessus je porte, je pense que c'est assez dingue pour vous parce que je pense que je vous avais montré ça la dernière fois, qui était mon échantillon donc avec la Knitting for Olive marron et la gilliatte que j'avais détricotée, que je venais de détricoter je crois au dernier podcast. Bon, ça fait 5 semaines je crois que j'ai pas enregistré, un peu moins. Donc entre temps bah, j'ai commandé du mérino, n'importe quoi, du mohair Knitting for Olive coloris navy. Donc j'en ai commandé 6 et il me reste ces deux petits bouts là. Donc j'ai tricoté le Sunday cardigan, donc j'ai fait la taille S parce que je voulais pas un gros, enfin je voulais pas une grosse ampleur là dessus. Je l'ai bloqué hier, il a séché très très vite, il me reste juste à faire les boutonnières, mais c'est des boutonnières après coup, donc il faut vraiment que je me pose sur la question et que je regarde peut-être une vidéo, parce que j'ai jamais fait ça. En même temps que j'ai commandé chez Laine et Tricot le mohair, j'ai pris les boutons de petite knit, les gros boutons de 28 mm. De petites nits, il en fallait 5, donc c'est sûr, c'est je crois 2 euros le bouton, un peu moins. Mais comme il en fallait que 5, voilà, ça ne faisait pas rajouter beaucoup, sachant que la gilliatte, je l'ai achetée il y a très longtemps, puisque je l'avais déjà tricotée et détricotée. Et justement, je voulais vous montrer ça, j'ai gardé mon écheveau. En fait, ça, c'est la gilliatte que j'ai détricotée, et en fait, j'ai pris le parti de ne pas la laver, la défriser en fait. Donc quand on détricote, souvent c'est vrai avec le mérino, enfin le mérino superwash, ça fait vraiment des frisottis en fait, la laine qui a été détricotée puis détricotée, surtout si ça fait longtemps qu'elle a pas été qu'elle a été tricotée et qu'elle est restée en forme assez longtemps. Mais là c'est un pull que j'avais dû tricoter en 4 et demi, donc la laine n'était pas hyper frisé. Je sais pas si j'ai gardé la photo, mais si j'ai gardé la photo je vous la mets là, ou peut-être là j'ai plus de place donc je la mettrai peut-être ici, si j'ai gardé la photo de mes écheveaux détricotés. Alors c'est vrai qu'ils étaient un peu frisotés, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas frisoté je crois, frisé, donc voilà, ils avaient frisoté donc mais je crois que j'avais une grosse flemme en fait, j'avais peur que ça mette hyper longtemps à sécher, j'avais la flemme de faire plein de nœuds pour pas qu'ils s'en mêlent, j'avais, comme disent mes enfants, j'ai la flemme, j'avais la flemme, donc je l'ai pas fait. Et puis je m'étais rendu compte quand même sur l'échantillon où j'avais pas défrisé, bah, que c'était quand même assez, bon là il a été lavé bien entendu, mais même avant de le laver il était pas super irrégulier. Donc je me suis dit, allez, je le tente comme ça. Donc c'est un fil de gilliatte et deux fils de mohair. Donc ça se commence par ici. C'est un col qu'on replie et qu'on vient coudre. Qu'on plie en deux et qu'on vient coudre. Ensuite, il y a un empiècement en yoke avec des côtes. Donc en fait, je crois qu'on commence peut-être avec des côtes de 2. Et puis après, en fait, on va faire des augmentations dans les bandes de côtes en droit ou en vert, enfin dans les mailles en vert ou dans les mailles en droit. Ce qui fait qu'à la fin, on arrive avec un empiècement qui fait 4 mailles en droit, 4 mailles en vert. Voilà, ensuite, on tricote le corps assez court au final. Hop. Finalement, enfin assez court, il arrive sur la ceinture. On fait des côtes en bas. Moi, j'ai fait un rabat... attends. D'habitude, je fais tout le temps à l'italienne. Et là, je crois que j'ai fait un rabat tubulaire. Je ne me rappelle plus. Sur les manches, c'est sûr que j'ai fait un tubulaire. En fait, c'est presque pareil, le rabat italienne et le rabat tubulaire.
Sauf que le rabat tubulaire, je fais deux rangs de préparation. C'est celui qu'on explique dans le livre pour les chaussettes qui commence par la pointe. En bas, j'arrive plus à me rappeler ce que j'ai fait. En fait, visuellement, le rendu, il est presque pareil. Donc, des fois, j'arrive plus à savoir ce que j'ai fait avant. Donc voilà, je suis super contente. Je l'ai lavé hier. Il a séché super vite sur la terrasse. Il faut dire qu'on a un peu un temps de dingo. Voilà, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si je vais le garder tout l'épisode, mais il ne fait pas si chaud ce matin. Donc voilà, et je le porte tout le temps parce qu'en fait, il va avec plein de choses que je possède. Plein de chemises dans les tons marron que j'ai, il va bien. Il est chaud, il s'enfile comme une veste. Je l'ai mis, là qui faisait super beau, je l'ai mis à la place d'un manteau, juste comme une veste. Voilà, donc je l'aime beaucoup, je ne regrette pas au niveau de la taille. Alors, j'avoue que je ne suis pas hyper pressée de faire les boutonnières parce que je ne sais pas si je vais tant le fermer que ça. Peut-être pas, je ne sais pas. On verra, peut-être que je ferai ça cette semaine, les boutonnières du Sunday Cardigan. Voilà, je suis super contente. J'ai pris plein de notes parce que j'ai eu un début de journée un peu mouvementé, c'est-à-dire que je ne me suis pas levée. Donc là, on est le 28 mars et on a changé d'heure hier. Donc moi, je déteste le changement d'heure, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Voilà, en fait, c'est un truc que j'ai toujours eu du mal à vivre. Et en fait, ce matin, je ne sais pas ce qui s'est passé, ma montre a pas sonné ou ça ne m'a pas réveillée, je ne l'ai pas entendue. Voilà, je ne me suis pas levée. Je me suis réveillée, donc moi, je me lève bien plus tôt que mon mari parce que je lève mon fils qui part très tôt au collège. Vous allez savoir toute ma vie. Donc, je me suis levée à l'heure de mon mari. Donc, j'ai levé mon fils en catastrophe. J'étais partie pour l'emmener au collège, donc il est à quelques kilomètres de chez nous. Habituellement, il prend le bus. En partant, je vois que les enfants du village sont encore en train d'attendre le bus. Donc, je l'ai laissé finalement à l'arrêt de bus. Moins d'un quart d'heure plus tard, il est revenu. En fait, le bus n'est pas passé. Donc, en fait, je suis un peu énervée parce que... J'ai appelé donc le service de bus et je leur dis mais le bus n'est pas passé ce matin. Elle me dit bah oui, on a 5 chauffeurs absents, donc les tournées sont annulées. Je dis ok, bon, ça peut arriver, quelqu'un d'absent, surtout dans le contexte actuel, avec les remontées de cas de Covid, etc. Mais prévenez les gens quoi. En fait, c'est pas compliqué d'envoyer un mail, puisqu'il y a 15 jours, ils nous ont envoyé un mail pour nous dire que le port du masque restait obligatoire dans le bus, donc ils ont nos mails a priori. Enfin voilà, ça me rend dingo en fait. Et j'ai emmené mon fils au collège. Je me suis fait pourrir par la surveillante parce que je suis rentrée dans le collège pour signer son retard. Donc en fait, tu veux bien faire, mais tu te fais presque insulter et jeter dehors. Donc, je sais pas, moi j'ai du mal avec l'incompétence et l'agressivité des gens en fait. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. En fait, ça me fait me sentir frustrée et impuissante de ne pas pouvoir faire avancer les choses, en fait. Donc là, je suis restée sympa avec la dame du bus. Je lui dis, écoutez, je comprends, ça peut arriver une absence, mais il faut qu'on réfléchisse à comment faire la prochaine fois, que nous, parents, on puisse pallier aux absences du chauffeur de bus, quoi, qu'on puisse emmener nos enfants sans qu'ils soient en retard en cours ou s'organiser entre parents. En amont, en fait, juste pas à 8h quand c'est déjà l'heure du collège, devoir trouver des parents pour emmener nos enfants ou emmener les enfants des autres. Enfin voilà, je sais pas, je trouve. On est dans des relations hyper agressives. Tout le monde est énervé, tout le monde est à cran, tout le monde parle mal. Enfin voilà, donc c'est le bonjour si vous voulez me laisser des commentaires sympas pour me remonter le moral. C'est vraiment le bonjour. Et ça se trouve, en fait, je me rends compte que ça, je parle super vite. Parce que comme je suis un peu énervée, peut-être que je parle vite. J'ai même hésité, en fait, à tourner ce matin. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas et que vous ne me trouverez pas énervée ou agressive dans mes propos. Et je vais parler de tricot, donc comme ça, ça va me détendre. Donc, j'ai quand même fini quelques projets de tricot. Et c'est pour ça que je voulais quand même venir vous parler aujourd'hui parce que j'aimerais rester sur le rythme de un podcast à chaque fin de mois. Donc on est le 28 mars, donc je suis pas mal, même si ça fait un peu plus d'un mois que j'ai mis le dernier.
Au début, je vous ai mis un petit tour dans mon jardin. Alors, un minuscule tour, il y a du boulot dans le jardin. J'ai adoré voir ma rhubarbe qui est déjà ressortie. Alors, ils annoncent du gel. Je ne sais pas si la rhubarbe craint le gel. Et mes framboisiers sont repartis aussi. Donc, c'est ça que vous avez vu. Et à la fin de la petite intro, c'est mon escalier qui est envahi par les mauvaises herbes. Donc, il va falloir que je gratte. J'ai commencé un peu hier, mais ça fait du bien, ça, non? Vous aimez bien gratter dans le jardin, arracher des mauvaises herbes, remettre tout joli, voir les choses qui poussent. Moi, j'adore, en fait. Je trouve que le potager, en fait, là, j'ai dit plein de fois, en fait, le potager, c'est un peu comme le pain ou le vin. Je suis en train de digresser, en fait. Le potager, c'est un peu comme le pain ou le vin, pour moi. C'est quelque chose qui m'apprend deux choses dont je ne suis pas dotée à la base, qui sont l'humilité et la patience. Alors, l'humilité, je ne sais pas, je pense que je suis quand même assez humble, mais plus le sentiment qu'on est peu de choses par rapport à la nature, en fait. Bah, déjà, la nature, elle nous fait. Donc ça, c'est juste incroyable, mais toutes les plantes qui poussent, les insectes, voilà, quand je vois mes vers de terre dans ma terre, tout ce qui est mis en œuvre pour nous nourrir. Alors même si nous, on n'est pas du tout autosuffisants, j'ai deux carrés potagers qui font 1m20 par 1m20, donc autant vous dire qu'à 4 personnes, c'est vraiment juste pour le plaisir de manger quelques légumes du jardin, mais on achète beaucoup, beaucoup de légumes parce qu'on ne sera pas suffisant à moins d'avoir 100 mètres carrés de jardin et puis d'y consacrer beaucoup de temps, ce dont je ne bénéficie pas. Enfin, en tout cas, pas assez pour devenir autosuffisant alimentairement. Mais en tout cas, voilà. Donc, je vais planter, si ça vous intéresse, je vais planter des courgettes, des concombres, un petit peu de maïs. Alors j'hésite, butternut ou potimarron, parce que mon potimarron l'année dernière il n'a pas trop marché. Je vais mettre des haricots nains et des petits pois nains aussi, et des betteraves. Alors moi ils adorent les betteraves, et bien sûr des tomates. J'ai un bac en fait contre un mur en plein soleil, donc là je vais mettre des tomates. Et même l'année dernière j'ai même pas eu la maladie, donc voilà, je vais essayer de reproduire ça. Je prends mes graines chez Biogerme, un petit peu chez Gamme Vert, et puis aussi là je teste, j'avais jamais essayé la ferme de Sainte-Marthe que j'avais vue sur plusieurs posts Instagram. Voilà, et donc dans tout ça, à part de mon sundae, j'ai toujours pas parlé de tricot et ça fait un quart d'heure que je vous parle. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Eh bien, le 10 et 11 mars, j'étais à l'Aiguille en fait, c'était juste. Incroyable, alors c'était très intense, il y avait du monde, c'était très bruyant, moi j'ai trouvé, parce qu'il y avait du monde et peut-être la façon dont était organisé le salon, mais c'était vraiment super sympa. J'ai vu plein de marques que j'aime beaucoup, avec qui j'ai pu échanger, donc je ne vais pas toutes les citer, mais j'ai eu deux coups de cœur. Donc pour un coup de cœur pour une association qui s'appelle Tricote un sourire. Si vous êtes allé à l'Aiguille, en fait, vous les avez certainement vus. En fait, c'est eux qui ont fait les grands panneaux impressionnistes, en fait. Donc, c'était des panneaux verticaux, juste avec que des petits carrés de tricotés de 5 par 5 cm. Donc, moi, il m'a quand même fallu 2 jours pour prendre de la distance et comprendre que ça représentait quelque chose. Voilà, que c'était de l'impressionnisme. Donc, voilà, ma propension à remarquer l'art est toute limitée. Donc l'association en fait récupère des petits carrés tricotés de 5 par 5 ou 10 par 10 et je crois qu'ils ont créé de l'emploi, etc. Je vous mets les liens pour que vous alliez voir ce qu'ils font, que vous suiviez leur compte Instagram, parce que vraiment c'est une initiative qui est vraiment géniale et moi je suis toujours impressionnée par les personnes qui donnent autant de leur temps quand on sait à quel point le temps est précieux. Voilà, moi je suis admirative de ces personnes-là qui donnent du temps dans les associations, voilà, juste pour faire le bien autour d'eux, et ça compte beaucoup pour moi et pour le monde, hein, je pense. Voilà, mon deuxième coup de cœur, c'était pour la marque Annie Blatt. Leur stand était vraiment super joli. Donc Annie Blatt, c'est une société, alors je ne sais pas vraiment juridiquement comment ça s'est passé, mais je crois que c'est une société qui a été en liquidation et qui a été reprise en 2021 par donc une dame qui ne vient pas de la société, dont je ne connais pas le nom,
et une autre personne qui était déjà employée dans la société, qui est la styliste. Et aujourd'hui, donc à Niblatt, ils ont complètement reconstruit leur modèle économique. Donc, ils font du prêt-à-porter, donc des pulls qui vont être tricotés semi-industriellement, et enfin voilà, si j'ai bien compris. Et ils font des kits de tricot, donc avec des explications et la laine qui va avec. Et ils ont complètement revu leurs fournisseurs. Moi, j'ai touché notamment les deux bases qui m'ont vraiment au toucher vraiment séduite. C'est Baby Blatt, donc c'est un mérino. Je pense que c'est un mérino fingering qui se tricote en 3, 3,5, qui était méga doux, qui est fabriqué, je crois, en Italie. Et leur mohair et soie, donc qui est un mohair et soie, on va dire, normal dans le sens où ça doit être une vingtaine de pourcents de soie et 80% de mohair, qui était aussi très très doux au toucher. Et de mémoire, dans les, enfin moins de 10 euros, dans, je dirais dans les 8 ou 9 euros la pelote de 25 grammes, je pense. Enfin voilà, ce qu'on connaît habituellement. Donc là, moi, j'avais pas besoin d'acheter de laine à l'aiguille, en fait. Enfin, vous verrez que j'ai quand même ramené un petit peu de laine, mais je vous expliquerai pourquoi. Donc j'ai pas acheté leur laine, j'avais pas de projet associé. Hein. Maintenant j'achète de la laine si j'ai un projet en face. Donc là j'avais pas de projet, donc j'ai pas acheté de laine, mais vraiment j'ai gardé en mémoire, voilà. Bien, et bien ça c'était pour mon petit tour à l'AEF. J'y suis allée avec Émilie, bien entendu, pour dédicacer notre livre sur le stand d'Erol. J'en profite pour remercier Erol et notamment Eva, qui est la responsable marketing, enfin la personne qui s'occupe de nos déplacements, d'organiser le stand, etc., qui nous fait venir, qui organise les séances de dédicace. Voilà, c'est toujours des moments hyper riches, hyper intenses. Et on avait mis en place, je vous en ai parlé déjà dans le dernier épisode, on avait mis en place un projet collaboratif. On vous avait demandé sur notre compte Instagram Tricoter ses chaussettes d'apporter vos restes de laine à chaussettes pour faire une magic ball. Donc là, c'est ce qui reste parce qu'on est rentré le 11 mars. On a fait la magic ball, on a mis en place le concours pour gagner. En fait, il fallait découvrir le poids exact de la balle. Donc là, elle fait plus ce poids-là, mais quand elle était complète, elle faisait 92,29 grammes. Et une personne a trouvé au centième près le poids exact. Enfin, moi, je ne m'en suis toujours pas remise, en fait. Elle a trouvé le poids exact de la Magic Ball. Donc, qu'est-ce qu'elle a gagné? Eh bien, elle a gagné ses chaussettes dans sa taille, tricotées avec la Magic Ball. Et les voilà. Je les ai tricotées super rapidement. Donc, on a fait un nœud russe, en fait, entre chaque petit reste. On a fait ça directement au CSF, à l'AEF, pardon, en direct live avec vous. Voilà, et puis ben, moi, j'ai tricoté, donc c'est notre modèle Everyway, que j'ai tricoté depuis la cheville, pardon, jusqu'à la pointe, en taille 39 pour notre gagnante qui est Tricotelle. Donc c'est des chaussettes très rigolotes, voilà, donc j'ai fait un talon renforcé des deux côtés. J'ai trouvé ça juste incroyable à faire parce qu'en fait c'est hyper motivant. Tu commences, t'as tellement envie d'arriver à la couleur d'après pour découvrir ce qu'elle va donner, surtout quand c'est des laines que t'as jamais tricoté. Moi j'avais jamais tricoté plein de ces laines, enfin même pour ainsi dire aucune. Voilà, là, ce qui est vers le talon, c'est les laines d'Emily. Vous savez, vous reconnaissez peut-être si vous avez le livre, c'est les laines qu'elle a utilisées pour faire les tutos, pour faire son semi-nid à elle. Là, il y a de la vilaine. Celle-ci, j'adore. Là, je ne sais plus qui a donné ça. Ça, c'est Sophie de Laine et Fil, je crois, qui a amené celle-ci. C'est de la vilaine. Voilà, c'est beau, hein. Ça, c'est une auto-rayante. C'est rigolo. En fait, ça c'est une auto-rayante, donc on a l'impression que c'est plusieurs restes, mais non, c'est bien une auto-rayante. Voilà, j'ai beaucoup aimé aussi le bleu ici. Voilà, alors du coup, on n'a pas tout utilisé parce que 92 grammes pour une paire de chaussettes, il aurait fallu que je les fasse vraiment très hautes, et déjà là elles sont assez hautes. Mais comme je connais pas le mollet de la personne qui va recevoir la,
La paire de chaussettes, j'ai pas voulu abuser au niveau de la hauteur, donc j'ai juste fait, je crois, 15 cm. Mais je vais lui envoyer le reste et puis elle fera ce qu'elle veut avec. Il doit rester une vingtaine de grammes, 25 grammes peut-être. Voilà. Paire de chaussettes assez rigolote, non? Alors c'est spécial, hein, faut oser sortir avec ça. Voilà, mais c'était tellement un plaisir de vous voir venir avec vos petits restes, sortir vos petites sachets, vos sacs, venir exprès nous voir. Enfin, c'était un échange magnifique. Voilà. Donc maintenant, je vous les ai montrés, je vais pouvoir les poster à la gagnante. Donc ça, c'était les chaussettes de la Magic Ball et c'était génial de faire ce projet. Voilà, donc voilà pour ça. je vous ai montré mon Sunday. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Est-ce qu'on reste dans la chaussette? Comme ça, ceux qui n'aiment pas les chaussettes... enfin bon, si vous n'aimez pas les chaussettes, ne venez pas sur ce podcast. Pendant qu'on était à l'aiguille, en fait, j'avais emmené... En fait, j'avais... il y a quelques mois, je dirais, j'avais tricoté des tubes à chaussettes à la machine. Donc en fait, je fais... un tube, je mets un montage provisoire, je fais un tube à la machine, je fais la pointe aussi à la machine, je mets un fil d'attente, puis je reprends mes mailles, je ferme par un grafting. Donc ce qui fait que j'ai un tube comme ça. Et après, je voulais vous montrer en fait sur le stand comment je faisais pour récupérer mon talon après coup. Donc en fait, en direct sur le stand, j'ai passé mon câble ici, couper mon fil, enlever mon fil, enfin, c'était rigolo parce que ça nous a permis de... On a souvent cette question en fait pour les talons après coup. J'ai pu faire ça sur le stand et quand, bien sûr, après je tricotais mon talon sur le stand pendant qu'on signait, mais sincèrement, j'ai pas du tout avancé mon tricot pendant l'aiguille en fait. Pendant les 3 heures de dédicace, c'était du non-stop. Contrairement à Création et Savoir-Faire, on avait des petits moments en fait de creux, où vous étiez moins à venir, mais là à l'aiguille en fait c'était vraiment du non-stop, donc j'ai pas beaucoup tricoté, quelques rangs, et puis quand je suis rentrée, bah, j'ai fini mon talon et puis j'ai fait la deuxième. Et pendant que je faisais ça, vous êtes nombreux à m'avoir demandé quelle laine en fait c'était, et en fait j'ai répondu que des bêtises à tout le monde pendant 2 jours parce que je disais que c'était la West Yorkshire Spinners, mais en fait pas du tout, c'est de la Zitron. Zitron, c'est quoi comme marque? C'est allemand, Zitron, je sais pas. Trekking XXL, alors moi je vois à l'envers sur mon retour caméra, mais je crois que vous voyez à l'endroit. Et le coloris, c'est le 415, voilà. Et ça, c'est Coraline qui m'en a redonné une deuxième. Je pense que je vais en refaire une, donc à la main cette fois, en côte 3-1 pour offrir à Noël. Voilà, je ne sais pas encore à qui, il faut que je réfléchisse pour la pointure, mais je crois que je vais en refaire une paire pour Noël parce qu'elle est vraiment, vraiment sympa, je trouve. Moi, je mets ça à mes pieds, je suis de bonne humeur, rien que ça, tu vois. Je devrais peut-être les mettre aujourd'hui d'ailleurs, tiens. Voilà, c'est beau, hein? Donc la Trekking XXL de Zitron, donc c'est laine superwash 75% et 25% de nylon, 100 grammes pour 420 mètres. Elle est assez généreuse parce qu'il me reste encore au moins 40 grammes de celle que j'ai, la première paire que j'ai faite. Donc ça, c'est les chaussettes à la machine. Donc moi j'ai une machine, parce que je sais que vous allez me poser la question, donc j'ai une machine, donc c'est un Brevet Brother, c'est une RK40. Avec une double fonture, donc ce qui me permet de tricoter en fait en circulaire. Et sur la machine, je mets la tension, je crois, 6 ou 7 pour avoir à peu près le même échantillon qu'en aiguille 2 mm à la main. C'est ça. Et je monte 60 mailles. Voilà, pour la machine. Un jour, j'aurai le courage et je vous ferai une vidéo de comment je fais un tube à la machine. Mais pas aujourd'hui. Chaussettes, on continue. Alors, il y en a une que je ne vais pas pouvoir vous montrer. C'était des mini chaussettes. Je vous avais montré, elles étaient en cours la dernière fois. Mais ma nièce est née le 13 mars, le jour de l'anniversaire de son papa d'ailleurs.
Donc, elle s'appelle Ava. Elle est trop belle, mais trop belle. Je dis pas ça parce que c'est ma nièce, mais elle est vraiment trop belle. Des fois, il y a des bébés, ils sont pas très beaux, mais alors, elle est vraiment très très belle. Voilà, tout va bien. C'est trop bien d'être tata en fait. C'est tellement de bonheur. Donc, je lui ai envoyé sa petite combi, sauf qu'elle est née 3 semaines en avance. Donc, sa petite combi que je vous avais montrée la dernière fois, elle est un petit peu grande. Donc, ma soeur fait des tours au bras. Mais comme on est fin mars et que c'est coton et mérino, surtout coton, c'était 70% de coton, elle va pouvoir lui mettre voilà, avril, mai, peut-être même jusqu'en juin. C'est super léger, ça lui va bien. Enfin voilà, je suis trop contente, c'est trop beau. Donc je lui ai envoyé 2 petites paires de chaussettes Everyway. Alors là pour le coup, comme elle est vraiment toute minuscule, elle faisait 49 cm. Donc, les chaussettes sont un petit peu grandes, mais pareil, au-dessus d'un pyjama, ça fonctionne. Alors au niveau des chaussettes encore, j'ai donc Cécile de La Féfile, qui était donc la partenaire de notre livre et bien sûr une amie. Je lui ai proposé de m'envoyer 5 échevaux pour lui faire un semainier de chaussettes du livre pour elle, qu'elle pourrait montrer sur son stand, etc. Donc, ça c'était il y a déjà presque un an, je crois qu'elle me les a envoyés, mais je vous avoue qu'après avoir fait le livre, donc les prototypes, fait tester les patrons, tricoté les modèles de présentation qui sont dans le livre en un temps record, je vous avoue que mes patrons du livre, je les vomissais à la fin. Là, je ne pouvais plus. Et là, ça y est, ça revient. J'ai envie de les retricoter. Vous allez voir, j'ai aussi terminé une mardi torsade. Donc voilà, donc j'ai commencé. En fait, je lui avais déjà tricoté celle-ci en taille 72 mailles. Enfin, j'avais bidouillé 72 mailles. Mais je lui ai emmené au mois d'octobre la jacquard notamment. Qu'elle a essayé et finalement qui était un petit peu large sur son pied, donc j'ai tout recommencé en 64 mailles, ce qui, je vous avoue, m'arrange, sachant qu'en plus elle doit faire un 38,5, je crois, Cécile. Ben, vous allez tout savoir. Hein. Donc je lui ai fait les samedis paillettes, bien sûr, elles sont deux. Donc samedis paillettes, alors je ne sais pas s'il faut encore les présenter, mais c'est un patron qu'on a construit avec une pointe en étoile. Voilà. Donc, au lieu d'avoir la pointe, comment vous montrer? Bon, je vous montrerai après. Mais au lieu d'avoir la pointe comme ça de chaque côté, avec les augmentations en fait, qui est plus pointue, ben vous avez une pointe qui est plus arrondie et plus féminine. Enfin, féminine, oui, plus arrondie. Donc, elle se commence par la pointe, on fait les augmentations de la pointe. Ensuite, il y a un motif qui se fait sur 3 rangs qui est méga simple. Franchement, en deux rangs, enfin en deux répétitions, vous avez retenu le truc. Et en plus, comme ça fait finalement des jours là en face, parce qu'il y a des jetés, bah, si vous vous trompez, vous repérez en fait très très vite, je pense. Donc voilà, on arrive jusque là, on fait un talon en rang raccourci. Alors ça, c'est pareil, c'est quand même le talon un peu le plus rapide à faire, moi je trouve. Hein. Donc c'est des rangs raccourcis à l'allemande. Voilà, il n'y a pas de trou. Et puis on fait une petite tige de 5 cm et un ourlet festonné. Voilà, donc je ne vais pas trop serrer l'ourlet parce que je ne sais pas sa cheville si elle est large ou pas large, mais elle pourra toujours rajouter un petit fil élastique si c'est pas assez serré et je ne vais pas couper le fil au cas où. Voilà, et la petite modif que j'ai faite, c'est que dans le patron, je voulais essayer de faire ça. Dans le patron, en fait, on rabat et on coud. Et là, j'ai pas rabattu. En fait, j'ai cousu en même temps que en fait, je prenais la maille, la première, et je la cousais à la maille d'en dessous de l'ourlet. Voilà, j'avais peur que ça resserre beaucoup, mais a priori, non. Je sais pas si vous voyez, c'est joli. Le rendu est sympa. Voilà. Donc, une petite paire. Je ne me souviens plus le coloris. Je vous le noterai. C'est joli. Comment ça s'appelle? Moi, ouais, je ne sais plus. Ça ne va pas me revenir. Je cherche l'inspiration. Et voilà. Donc c'est pareil, je vous les ai montrés. Je voudrais lui envoyer pour qu'elle puisse quand même vérifier la taille avant de lui faire les 6 autres paires.
Donc voilà, elle sait, c'est pas pressé, elle va les avoir au fur et à mesure. Voilà, surtout que maintenant, comme je suis plutôt mono en cours, ben, je vais. Enfin, bon, de toute façon, mono en cours, pas mono en cours, tu vas pas plus vite, hein, tu tricotes quand même. Mais quand même, j'ai l'impression de finir plus de choses depuis que je me concentre sur un seul projet. Je pense que ça mobilise moins de concentration que de se remettre à chaque fois dans un projet différent. Voilà pour les projets terminés et je parle très très vite et je suis désolée. Alors, j'ai 3 projets en cours. J'ai oublié celui-là. J'ai refait un call, c'est The Snuggle is Real de Maxime Cyr, donc Max the Knitter, qui est un Québécois. J'ai refait pour mon mari en Rios, je ne me rappelle plus, de Malabrigo. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas tricoté cette marque. Donc c'est Pearl Ten pour le gris foncé et Sandbank pour le... C'est une espèce de beige mais qui tire très très légèrement sur le... Mais très léger, hein, sur le violet, enfin sur le violine, mais hyper hyper léger, mais on voit quand même. Voilà, donc c'est super, c'est un modèle que j'adore. Donc en fait il est doublé, et normalement il est doublé en mohair, mais alors le premier que j'avais fait, mon mari n'était pas fan. Alors déjà il était trop grand le premier, d'ailleurs il faut que je le détricote. Il n'était pas fan du mohair à l'intérieur, donc j'ai doublé avec de la West Yorkshire Spinner coloris licorice. Voilà. Le truc là, c'est pareil, normalement c'est en mohair, mais moi j'ai fait avec le reste de la sandbank pour maximiser en fait ses écheveaux, parce que quand il nous reste, je pourrais faire des chaussettes d'intérieur, faut que je vois, bon bref, je l'ai fait au tricotin, quand il reste genre 12 grammes ou 20 grammes de déca, moi je sais jamais quoi en faire, donc voilà, je vais me décoiffer ou pas. Il l'a mis pour aller aux raquettes l'autre jour. Oh là là, tellement doux. Donc le projet l'année prochaine, c'est de m'en faire un à moi aussi. Sûrement caramel et bleu marine, je pense. La même laine ou pas la même laine. Alors par contre, j'ai dû la laver déjà 2 fois. Voilà, il sent plus, mais... Ça sentait un mélange de mouton et de vinaigre. C'était pas terrible, terrible. Hein. Voilà. Projet terminé, c'est terminé. Les projets en cours. Alors, je bois un petit coup. Les projets en cours. Alors, je vous ai dit, il y en a 3. Hop, c'était beau ça. Hein, alors, pour continuer dans la chaussette, il y a, donc j'ai terminé hier, la mardi torsade que je faisais en crème que. Comment c'est ? Crème que Lazy Linen. Linen. Que c'est 80% de laine, 20% de lin et le coloris 005. Donc ça ressemble à ça. C'est Candy qui me l'a offert. Je te fais un gros bisou au passage, ma belle. C'est rigolo parce qu'en fait, est-ce que vous voyez? Hop, il y a des petits bouts, vous voyez, qui dépassent. Bah, c'est le lin, je pense. Voilà. Et en fait, au début, quand je l'ai monté, je me suis dit, ah, est-ce qu'on va bien voir la torsade? Puis en fait, on la voit trop bien. Je vous l'ai déjà dit, c'est mon modèle préféré du livre. C'est... Je suis tellement fière d'avoir créé ce patron. Je l'aime beaucoup. Et là, j'ai eu du plaisir à le retricoter. Et j'arrive, alors je sais pas si c'est parce que c'est moi qui l'ai fait, vous me direz si vous l'avez tricoté, mais j'arrive à comprendre où j'en suis, savoir par exemple le zigzag, savoir dans quel sens il faut le faire. Pareil, le point de blé, bah, je sais que les rangs impairs, il faut inverser les mailles. Voilà. Et puis pareil, la torsade, là, il n'y a pas d'erreur. Ça y est, je me rappelle pour tourner enfin, vers la gauche ou vers la droite, je sais ce que je fais. Donc le motif, il est sur toute la tige pendant 15 cm. Donc moi, je répète 2 fois le motif, je crois, qui fait 32 rangs.
Et là, pareil, moi, je fais un 39,5-40. Je répète aussi deux fois le motif, je crois, sur cette partie-là. C'est un talon renforcé à gousset. Et le montage, c'est un World Edge Cast On, donc qui est tout expliqué aussi dans le livre. Et que vous pouvez aussi retrouver dans une vidéo de encre violette. Je vous mettrai le lien si j'y pense et si je retrouve. Mais qui est hyper élastique et qui est trop rigolo à faire. Et ça fait un rendu... Alors, j'ai pas rentré mon fil, etc. Mais ça fait un rendu comme un montage... J'arrive jamais à voir si c'est flou ou pas. Comme un montage tubulaire. En fait, si on voit mes yeux, je crois qu'il fait le point sur mes yeux, c'est ça? Voilà. Bah, plus qu'à faire la deuxième, sachant que la deuxième est inversée. C'est-à-dire que je les ai conçues pour qu'elles soient en miroir. Donc ça, c'est la droite. Enfin bon, quand je les porte, je ne sais pas si je ferai bien le truc, mais normalement, le point de blé sur j'ai mis le point de blé sur l'extérieur. C'est ma logique, à moi. Ça, c'est le premier. Ensuite, l'autre soir, je me suis souvenue qu'il y a très longtemps, genre en 2018, on m'avait offert de la laine. J'avais commencé la chaussette. C'est une laine qui fait un motif léopard, comme on dit. Alors moi, mon échange, ce qui est super important avec cette laine qui est imprimée là, c'est qu'il faut avoir vraiment l'attention correcte. Moi, pour avoir l'attention correcte, je crois que j'avais pas le bon nombre d'aiguilles. Enfin, moi, je tricote assez large, donc voilà. Mais au final, je l'avais quand même faite et je trouve que ça va, quoi. On garde quand même l'idée du motif. Donc, je l'avais faite. J'avais laissé, donc c'est un talon après coup. J'avais laissé une épingle avec la petite bobine de fil accrochée à la chaussette. Et puis, je l'avais laissé dans un bac en bas dans mon atelier. Et l'autre soir, je ne sais pas pourquoi, j'y ai repensé. Et je me suis dit, mais attends, tu peux faire peut-être un truc cool. C'est que... Donc, j'ai fait mon talon, là. Pourquoi j'ai un couac, là? Non. J'ai fait mon talon après coup. Donc, ça m'a pris genre 20 minutes, une demi-heure pour finir la première. Et la deuxième, donc... la deuxième, elle est dans ma voiture, en fait. Je vous ai partagé ça l'autre jour. La deuxième, je l'ai commencée et je l'ai mise dans ma boîte à gants. C'est rigolo, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui me disait en message privé, faudrait soit changer de projet, soit changer de nom pour la boîte à gants, donc l'appeler boîte à chaussettes ou faire des gants. Mais voilà, donc c'était rigolo. Donc en fait, je me suis dit, je dis tout le temps en fait, mais je dis moins du coup. Vous voyez, c'est les vases communicants. Je me suis dit, cette chaussette, je vais la laisser dans ma voiture pour les jours où soit je fais un projet trop compliqué à la maison que j'ai pas envie de transporter, soit les jours où j'ai oublié d'emmener un tricot et que je dois attendre dans ma voiture ou dans une salle d'attente, etc. Donc j'ai commencé ma chaussette, elle en est à... j'aurais pu la prendre, mais elle en est à là à peu près. Et puis je tricote dans ma voiture, dans mes temps d'attente. Ce qui fait que dans quelques semaines, normalement, elle sera certainement terminée. Donc là, je vais juste lui ramener celle-ci avec... Donc, c'est Wool and the Gang. La marque de la laine, c'est un partenariat avec Schoenmayer. Bref, pourtant, j'ai fait 9 ans d'allemand. Hein. La Reya. Et donc, c'est une collaboration. Et ça s'appelle Kinda Magic Socks. Voilà. Et ça, en fait, c'est la notice pour tricoter vos chaussettes. Combien vous devez monter de maille quand vous arrivez à la fin des côtes, où est-ce que vous devez en être, voilà, et pour faire votre paire en entier, c'est pour ça qu'il y a ce fil jaune là. Le fil jaune, c'est pour mettre le talon en attente et pour trouver le début de, pour que les deux chaussettes soient pareilles. Enfin voilà, ça se fait vraiment en fait, vous allez tricoter, ça vous fait automatiquement les petites rayures là qui vous permettent de vérifier votre tension. Parce qu'en fait, quand vous allez... Vous voyez, là, on voit que j'ai pas la bonne tension parce qu'ils se chevauchent les rangs. Alors que normalement, et ce qui est en plus sur ma deuxième, ils se chevauchent moins. Donc, ma tension a dû quand même, en 4 ans, évoluer.
mais ils ne doivent pas se chevaucher en fait. Quand vous avez terminé votre rang de 60 mailles, vous devez être à la fin de votre rayure en fait, à la fin de votre couleur. Donc là on voit que moi je ne suis pas bonne. Ce qui fait que mon motif n'est pas exactement comme ce qui est prévu par l'imprimeur de la laine, enfin par la teinture de la laine. Mais je pense qu'elle est imprimée en fait, qu'elle est teinte en impression numérique. Je ne sais pas, à vérifier. Voilà, donc en fait, j'avais pas forcément prévu de faire cette chaussette en plus, mais je me dis que ça va être mon projet de voiture. Comme ça, quand je pars, je sais que j'emmène pas de projet et c'est cette chaussette qui va avancer tout du long. Voilà, je teste et puis je vous dirai si ça marche. Je sais que certains, c'était Julie Miette qui avait instauré ça, ont une chaussette de chevet. Mais en fait, moi, je tricote pas au lit. Déjà, ça me pète le dos. Et puis, comment dire ? Enfin, c'est un peu tue l'amour, non ? Donc, je ne tricote pas dans mon lit. Vous me direz si vous tricotez au lit, si c'est un tue l'amour ou pas, si je dois tenter le truc ou pas. Donc, voilà. Donc, j'ai pas de chaussette de chevet, mais j'ai une chaussette de voiture. Si l'idée vous plaît, tiens, si l'idée vous plaît et que vous le faites... Laissez-moi un petit mot pour me dire quel projet vous avez mis dans votre voiture et si ça avance du coup. Ah, du coup. mon gros projet, donc je suis mono en cours. Donc les chaussettes, ça ne compte pas, mais je me limite. Enfin, j'en fais pas 12 en même temps, on est d'accord. Donc là, ce qui veut dire qu'au niveau des chaussettes, j'ai celle de voiture et je vais monter la deuxième mardi torsade avant de commencer une nouvelle paire. Je suis toujours très tentée de dire oui pour les tests, mais là, tous les tests qui arrivent... soit je regarde pas du tout le mail, soit je regarde mais je ne réponds pas aux sollicitations pour les tests. Vraiment cette année je vais essayer de pas faire de tests et de me concentrer sur mon stock et sur les projets qui sont déjà prévus sur mon Ravelry. Donc ce qui veut dire que j'ai une chaussette en cours plus celle de voiture, et que j'ai un gros projet, ce qui pour moi, et c'est ça mon mono en cours en fait. Donc il y a eu celui-là, et une fois que j'ai eu terminé celui-ci, j'ai pu commencer un autre projet. Je voulais faire un châle, parce que je suis rendu compte en fait, je vais au restaurant par exemple. Alors c'est vrai que pendant longtemps on n'y est pas allé, mais voilà, là on a recommencé à aller au restaurant. Quand je vais au restaurant, je n'ai pas de châle qui fasse un peu classe. J'ai beaucoup de châles multicolores, j'ai des gros châles de Stephen West et au final, ben, moi j'aime moins le style sur une robe un peu habillée, etc. Donc je n'avais pas de châle simple, on va dire, qui aille en plus avec mon manteau facilement et sans que je ressemble à l'as de pique. Donc, j'ai voulu faire un châle noir. J'avais cette laine que j'ai déjà montrée, je pense. Alors, peut-être pas dans ce podcast-là. Je l'ai montrée peut-être sur une IGTV où je montrais mon stock. Alors, je sais pas si vous voyez. Donc, c'est une laine Merino Superwash Lace de Yarn by Simone. Et est-ce que vous voyez les petits brillants argentés ? Oui, hein, je pense que vous les voyez. Donc, c'est une laine de son coloris Only Black. Qui fait 100 grammes pour 800 mètres et que je tricote. Alors, qu'est-ce que vous allez voir ? Vous allez voir ou vous n'allez pas voir ? C'est un châle de Nadia Crétin-Leschène qui s'appelle le Wind of Change. Wind, hein, comment on dit ? It's windy. Je fais de l'anglais en ce moment. It's windy, donc wind. Donc, c'est un châle... triangulaire. Oui. On commence par ce petit bout là, qui est là, en point mousse. Alors je vous avoue que au début j'ai eu peur. J'ai gardé les mêmes aiguilles, 3,5. Et je me suis dit, bah ça fait quand même assez aéré. Donc qu'est-ce que ça va donner le motif de côte anglaise? Est-ce que vous le voyez le motif? Là j'ai fait un motif. Vous voyez, j'ai recommencé quelques rangs en haut, mais là il y a un motif complet qui fait 72 rangs. Donc c'est des côtes anglaises, un motif de côte anglaise, donc ça c'est des mailles doubles. Donc ça veut dire qu'on tricote, c'est pas de la brioche, hein. Ça ressemble mais c'est pas de la brioche. On tricote
pas la maille normalement, on tricote le trou qui est dessous, ce qui fait qu'il y a des mailles qui ne sont pas tricotées un rang sur deux. Donc voilà, avec des augmentations, des diminutions dans le motif, et en fait, alors je ne sais pas vous, moi je vois bien là au retour, je pense qu'on voit assez bien, on va mettre sur du foncé, on voit mieux je trouve, et ben en fait ça rend bien même en lace, alors ça fait quelque chose de très, très mousseux, très aérien, mais pour un châle, pour sortir au restaurant, pour mettre sur une petite robe, ça va être juste parfait. Il faut 800 mètres de laine, donc il va peser 100 grammes, il va être tout léger autour de mon cou et il remplira parfaitement son rôle de châle habillé en fait. Donc il me reste encore une fois le motif complet, puis le motif jusque là je crois. Celui-là jusqu'au rang 44, donc ça doit être à peu près là. Ouais, là peut-être. Et ensuite, on refait une petite bande de points mousse et on rabat peut-être en picot, je crois, en picot. Je ne sais pas s'il est uni, je ne crois pas qu'il soit uni, le patron, qu'elle l'ait fait uni. Émilie l'a fait à l'automne en deux laines, un mohair de la droguerie. Elle le tricotait aux créations et savoir-faire et un mérino, je crois, en bleu marine. Donc, il est uni, mais avec deux laines différentes. Il est magnifique aussi, son châle. Donc, voilà. Donc, ça, c'est celui qui m'occupe en ce moment, le soir. C'est pas difficile. Il faut pas se louper. J'ai des petits repères. Et j'ai appris à défaire des côtes anglaises, à détricoter une maille double si je me suis trompée. Donc voilà, il va être super beau. Il est sympa à tricoter. Alors bien sûr, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de châle, ni de dentelle d'ailleurs. Enfin, à part sur des chaussettes, mais je trouve que comme c'est sur moins de mailles, je trouve ça plus facile sur des chaussettes. Ça me demande un peu de concentration quand même. Donc c'est pas évident. Donc ça me fait du bien aussi de me concentrer un petit peu sur le tricot, ça me change les idées et puis je suis tellement motivée par le résultat. Je dis à mon mari, après tu vas être obligée de m'inviter au restaurant avec un aussi beau châle. Donc voilà, je suis super contente de ce châle. Et au final, bah, le noir c'est pas forcément ni marrant à tricoter, ni... marrant à vous montrer en photo d'ailleurs ou en vidéo, mais ça fera un châle super joli. Et puis le fait qu'il y ait le brillant, la stellina dedans, ça permet de... Voilà, c'est quand même motivant de le tricoter. La laine est très belle. Voilà, la laine de Simone, de toute façon, moi je l'ai souvent tricotée, je l'aime beaucoup. Voilà pour les encours. Ça va vite maintenant la partie encours, hein, j'en ai pas beaucoup. Donc peut-être que le mois prochain, bah, il sera terminé ce châle. Oui, j'imagine. Il me faut à peu près 10 heures pour tricoter 400 mètres. Donc avec la dentelle, peut-être un peu plus d'heures. Mais oui, si je tourne fin avril, il va y avoir les vacances. Si je tourne fin avril, normalement, il sera terminé, bloqué, porté. Moi, je ne sais pas si je le porterai en avril, quoi qu'il va être léger. Donc voilà. Je voulais vous parler des projets à venir, je crois. Oui. Donc, j'ai fait des échantillons ce week-end pour les prochains projets. Alors moi, je suis fan de top au tricot. J'en ai fait plusieurs l'année dernière que j'ai tous portés. D'ailleurs, je vous ferai peut-être un épisode ou un post, soit un épisode, soit une vidéo toute seule sur mes tops. Ouais, c'est peut-être une bonne idée. Pour vous montrer en fait tous mes tops tricotés, ceux que je porte, ceux que je porte pas et pourquoi. Mais je m'étais dit que cette année, comme j'avais du mérino, donc c'est du mérino de Knitting for Olive, coloris moutarde, je crois. Donc dans celui-ci, comme c'est un light fingering, il fait 500 mètres pour 100 grammes, enfin les pelotes sont de 50 grammes, oui c'est ça, et elles font 250 mètres, et en fait je voulais faire un top, parce que bah, jaune, l'été, un top, voilà, et j'ai vu avec ma copine Anna, chez qui je suis allée jeudi,
Elle m'a montré un top magnifique qui s'appelle le Soulmate. Top. Ti, je sais plus. Je vous le mets. Je vous mets la photo. Et voilà. Et je crois que j'ai le bon échantillon. Sauf que la blague, c'est que je suis en 2 mm. Donc, bah, ça va bien qu'il n'y a pas de manche. Hein, on va se dire. 2 ou 2,25. Il faut que je remesure correctement. Là, je l'ai bloqué. J'aime bien, franchement. Il est sympa, leur mérino. C'est la première fois que je tricotais le mérino de Knitting for Olive. Donc, à voir. Je le trouve assez souple. Voilà, il va bien aller pour un top. Et je pense, le fil est quand même assez... Enfin, il est rond, mais pas trop. Mais que du coup, il y a un petit motif de dentelle, vous avez vu. Ça devrait pas mal rendre. Donc, à voir. Alors moi je fais toujours mes échantillons en jersey, je sais que certains font de motifs déjà en échantillon, mais moi ma dentelle elle bouge pas trop, entre du jersey et de la dentelle, j'ai pas une tension qui bouge. J'ai acheté de la laine à l'aiguille en fait, est-ce que je vous la montre? Ouais, je vais vous la montrer, désolée. Hop. Parce qu'elle est juste là, hop, voilà, c'est pas très jojo quand on fait ça. J'ai acheté de la laine. Alors en fait j'avais fait un sample à l'automne pour Maison Septembre, pour Doriane, et donc elle m'a fait un bon pour deux écheveaux. Voilà, j'allais sur son site, j'avais pas vraiment besoin de laine, donc j'avais pas encore utilisé le bon. Et puis acheter sur internet, je trouve que c'est toujours difficile pour de la laine. Surtout que là, en fait, j'ai pris l'idée de faire un pull à trois couleurs. Donc, au départ, je voulais faire un pull color block. C'est tellement beau. C'est trop, trop beau. J'adore. Je voulais faire un pull color block, le Yvette. Donc, j'aurais fait comme ça, le foncé vers moi et en allant jusqu'au plus clair. Et en fait, je crois que je vais faire toujours le Yvette, mais des rigles. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait deux échantillons parce que entre temps j'ai vu passer plein de fois le Haros. Je crois qu'il y avait un mini-cal qui était en cours, donc je l'ai vu passer dans plein de podcasts, notamment, tiens d'ailleurs, je suis contente de vous parler d'elle parce que j'adore ce qu'elle fait, notamment dans celui de Stéphanie de Pompon Tricot. Pareil, je vous mets le lien. J'adore ces podcasts. C'est une Québécoise, elle est douce, elle ne se prend pas la tête et j'adore ce qu'elle fait. C'est qu'à chaque fois qu'elle fait un projet, elle dit combien ça lui a coûté. Alors c'est vrai que pour nous françaises, c'est pas forcément évident parce que bah forcément elle parle en dollars canadiens, mais c'est super intéressant d'avoir cette réflexion, je trouve, de combien ça m'a coûté de laine, combien ça m'a coûté de patron sur un projet et l'utilité qu'on en a. Par exemple, moi un projet qui va me servir de veste comme ça, j'aurais moins de difficultés à ce qu'il soit plus coûteux que un projet que je vais mettre que l'été par exemple, hein. Voilà, c'est juste, c'est hyper intéressant cette approche là. Donc j'ai vu passer le Haros sweater de Petite Knit. Vous savez que j'adore cette designer, je vais pas m'en cacher, hein, vous avez déjà compris le truc. Donc je me suis dit, bah, je vais quand même essayer de faire en fait ce que j'aime, c'est les épaules en contigousse là. J'ai jamais fait ça et je suis trop attirée par cette nouvelle technique. Donc, je me suis dit, je vais faire un échantillon pour voir ce que ça donne. Et je me suis dit, je vais prendre un mohair que j'ai en stock pour autre chose, mais c'est pas grave, j'avais pas prévu de faire le projet tout de suite. Et je vais faire un seul mohair de la même couleur avec les trois couleurs de Maison Septembre. Et en fait, bah, c'est joli, mais ça me plaît moins. En fait, je trouve que c'est dommage, ça enlève vraiment du charme aux couleurs végétales. Donc oui, j'ai pas dit Maison Septembre, c'est quelqu'un qui teint végétalement. Donc voilà. Et en fait bah ça va trop ternir en fait les laines. C'est pas ce que je voulais pour ce projet. Donc c'est joli, mais je vais pas faire ça. Donc bien sûr, j'ai refait l'échantillon normal et je crois que je vais plutôt faire des rayures que un color block. Donc voilà, c'est beau. Donc je vais commencer le col. Donc ça, ce sera certainement mon... Alors je sais pas.
Est-ce que ce sera mon projet après le châle ou alors mon projet après le châle, c'est le t-shirt. Ce sera peut-être le t-shirt. Parce que comme ça va quand même aller vite. Là, je suis en 3 mm. Vous savez, moi, je suis détendue du tricot. Hein, donc, je tricote assez lâche. Là, c'est du 3 mm. C'est beau. Super beau, moi, je trouve. Ça s'appelle Merlot. Ça s'appelle Miel. Et là, c'est du Nontin. Donc, c'est Mérino numéro 1, sa base, que j'adore tricoter. Enfin, sincèrement, c'est du Mérino non super wash. Là, il est bloqué. C'est beau, hein? Je trouve que c'est quand même hyper régulier. À tricoter, c'est hyper agréable. Enfin, moi, la première fois que j'ai tricoté Salène pour le sample, c'était la première fois. Et j'avais été épatée par la qualité. En fait, on n'est pas habitué. On n'est pas habitué à tricoter de la laine non superwash. Enfin, moi, ça fait des années que je tente la laine de teinturier qui est plutôt superwash. Donc, j'ai pas cette habitude, à part la Dererum Natura. Voilà, ça rentre bien. Voilà. Donc, je vais commencer ici, faire des côtes. Donc, Yvette, pourquoi j'ai choisi ce modèle? Alors, déjà, parce que j'ai le patron. Maintenant, j'essaye quand même dans ma bibliothèque d'abord regarder les patrons que j'ai. Donc, j'ai le patron et j'adore l'encolure. Ben, c'est un peu comme ce t-shirt-là. J'adore l'encolure dégagée du Yvette. Et comme là, c'est un pull en 3 mm, c'est un pull que, par exemple, je vais mettre sous une petite veste ou juste comme ça. Donc j'aime beaucoup la construction et l'encolure de ce pull. Donc, je vais commencer les côtes qui ne sont pas très grandes. Je crois qu'elles doivent faire 3 ou 4 cm, pas plus. En Nontin. Ensuite, une fois que j'aurai fait les côtes, je vais repartir dans ce sens-là. Donc, je ferai le merlot, le miel, le Nontin, comme ça. Et 10 rangs, je crois que c'est 10, j'ai 10 rangs là à chaque fois. Enfin, là j'ai 12, mais parce qu'il y a les petites. Voilà, mais 10 rangs. Et toujours ma copine Anna m'a montré une technique pour joindre les fils des rayures. Donc je testerai en même temps une technique et je vous dirai si ça m'a plu ou pas. Voilà pour les deux prochains projets. Donc le t-shirt, je pense qu'il va venir juste après. Ou est-ce que comme on est fin mars, ce serait plus logique de faire celui-là? Je sais pas. Je sais pas vous dire, c'est pas forcément doux. C'est doux, mais c'est pas hyper doux. Après, moi, je suis pas sensible, surtout des mains, mais... Non, c'est pas piquant, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais c'est vrai que, bon, le mohair est vachement doux, le mohair de Knitting for Live. Par contre, pour le coup, c'est le mohair petit, je sais pas comment on dit. Il va bien avec le Nontin, là, non? C'est beau, hein? Voilà, le haros, ben peut-être qu'un jour, donc là j'avais fait, je sais plus, dans le deuxième épisode, je crois que je vous avais montré, dans le deuxième, j'avais fait le sorbet cardigan avec des restes de mohair. Donc là aujourd'hui, j'ai plus assez de restes de mohair pour faire un pull complet. Par contre, alors déjà j'ai prévu de faire d'autres samples pour d'autres teinturières et marques de laine cette année. Donc, ben, j'aurai de la laine à acheter à un moment donné. Donc, ce sera peut-être à ce moment-là que j'achèterai, que je prendrai pour ça. Mais sinon, faire un haros avec des restes de fingering et mohair, ben, dans un an, quand j'aurai tricoté tous mes projets prévus en mohair et fingering, ça peut se faire aussi. Hein. Ça peut se faire avec des restes. Je pense qu'il marche bien aussi, hein, ce patron. Tu n'es pas obligé d'acheter de la laine à chaque fois que tu veux faire un pull, j'imagine. Voilà, pour le tricot. Ça fait du bien, hein, de parler tricot. Vous avez vu, je pense, mon cœur s'est redescendu, là. Et oui, là, je suis presque à un battement de repos, en fait. Donc, ça m'a fait du bien de parler avec vous pour me détendre. Il y a beaucoup de choses angoissantes en ce moment. Bien sûr, on est privilégié et on n'est pas, touché de très près. Et heureusement, j'ai une forte pensée pour ceux qui le sont.
par tout ce qui se passe. Ça fait vachement relativiser, je trouve. Mais par contre, moi, j'ai pas envie de rentrer dans une forme de culpabilité parce que mon pays n'est pas en guerre. Je me sens pas très bien depuis un mois avec tout ça parce que j'ai l'impression que presque on a envie de nous empêcher de parler de choses positives alors que je pense qu'il faut cultiver le positif. Être aimable avec les gens, c'est ce que je disais tout à l'heure. Même quand on n'est pas content, on peut faire passer des messages de façon constructive et moi j'essaye autant que faire se peut de le faire au quotidien, de le faire avec mes enfants et j'ai pas envie d'être de me sentir coupable en fait de pas être dans un pays en guerre et pour autant je pense beaucoup à ceux qui vivent tout ça parce que c'est difficile et je pense pas uniquement à l'Ukraine, je pense à tous les autres pays qui sont en guerre depuis des années et bah, dont on parle beaucoup moins dans les médias. Peut-être parce que c'est plus loin temporellement, parce que c'est plus loin géographiquement. Donc voilà, prenez soin de vous, tricotez, profitez de votre vie normalement et sans culpabilité, mais profitez-en. Prenez vraiment soin de vous et de vos proches et faites des belles mailles, ayez des beaux projets. Et bon, vous voyez, je suis quand même vachement moins énervée qu'au début de la vidéo, où j'étais un peu au taquet. Enfin, moi, je suis très sensible émotionnellement, hein, donc dès le moment où il y a un truc qui va me contrarier, je réagis très fortement, même à mon âge. Donc si vous avez envie de me faire du bien et de me remonter le moral, et ben, vous savez comment ça se passe. C'est dans les commentaires, vous me laissez un petit mot. Peut-être que vous pouvez me parler d'un truc chouette qui vous est arrivé aujourd'hui ou dans les jours précédents. Voilà, d'un bel échange que vous avez eu avec quelqu'un, de quelque chose de joli que vous avez vu dans la nature. Voilà. Dites-moi ce qui vous rend heureux et ça me fera du bien à moi aussi. On se retrouve dans un mois, à peu près, fin avril. Donc, je ne sais pas comment je gérerai avec les vacances scolaires et les enfants, mais il y a toujours des moments où ils ne sont pas là, surtout mon fils part en colo en Angleterre. Donc normalement, j'en aurai plus qu'une, voire plus du tout si je négocie bien belle maman. Donc je devrais arriver à venir vous voir fin avril, normalement. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt.